rappel, cette vidéo fait suite à sécurité personnelle en soirée. Donc, si tu ne l'as pas déjà vue, eh bien, clique ici, là, là, je ne sais pas encore où ça va apparaître. Regarde la vidéo et ensuite, reviens ici pour continuer avec moi. Dans cet épisode 2, on va tout simplement péter la gueule à quelques légendes urbaines liées à l'agression de rue. Avant de commencer, pour information, lors de la création de cette vidéo, en plus de discuter avec des spécialistes dans divers domaines liés à la sécurité personnelle, en plus de lire de la documentation, de compiler des données et de me baser sur mon expérience personnelle, eh bien, j'ai travaillé avec deux ouvrages de référence que je te conseille vraiment de lire. Il s'agit tout simplement ici de Neurocombat livre 1 et livre 2 aux éditions Fusion Froide, écrites par Christophe Jacquemart. Ce sont vraiment des références, donc si tu veux aller plus loin dans ce domaine, eh bien, je te conseille de les acquérir. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que l'agression de rue, eh bien, est avant tout psychologique avant d'être physique. Commençons par la légende urbaine numéro 1, le biais de bienveillance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se projette dans une agression, on aura tendance à penser que les gens qui sont autour de cette agression, eh bien, vont intervenir. Ils vont venir nous défendre, nous aider, ou s'ils ne viennent pas physiquement faire quelque chose, au moins, ils vont appeler la police, ils vont filmer, bref, ils seront proactifs. Pourquoi ne pas se baser sur ce principe qui semble logique? Eh bien, tout simplement parce que la plupart des actes de violence, la grande majorité, eh bien, se produisent avec des gens qui sont présents dans l'environnement proche. Et pour mieux comprendre ces individus qui gravitent autour de notre action principale, eh bien, je t'invite à les diviser en trois grandes catégories. La première, ce sont les pacificateurs. Ce sont donc des gens qui tentent de séparer les protagonistes, qui tentent de calmer les choses et qui essayent de trouver une issue non violente à la situation. Les partisans, cette catégorie numéro 2, ce sont des individus qui vont se ranger d'un côté ou de l'autre et qui vont pousser à l'affrontement, voire carrément venir prêter main forte. Et la dernière catégorie, ce sont les spectateurs, c'est-à-dire des gens qui regardent, qui observent, mais qui ne font strictement rien. Et malheureusement, c'est cette catégorie d'individus qui est la plus représentée lors de notre situation. La psychologie nous montre quelque chose de très perturbant mais de très intéressant. C'est que là où la logique voudrait que plus il y ait de spectateurs qui regardent la scène, plus il y ait de chances que quelqu'un intervienne, eh bien malheureusement c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus il y a de spectateurs, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. C'est ce qu'on appelle l'effet passant ou l'effet spectateur. Ainsi, cette catégorie d'individus qui ne font que regarder, eh bien, ne se contentent pas de ne rien faire, mais vont carrément propager cette passivité tout autour d'eux. On observe une inhibition de l'altruisme due à la présence du groupe. La responsabilité personnelle se retrouve ainsi diluée dans la masse d'individus. Résultat, tout le monde pense que c'est à autrui de faire quelque chose, et donc personne n'intervient. Et c'est ainsi qu'on comprend mieux pourquoi certains instructeurs de self-défense vont préciser qu'il est nécessaire de ne pas simplement appeler à l'aide en s'adressant au groupe, mais de venir cibler un individu. « Hey, toi avec le pull rouge, viens m'aider, j'ai besoin d'aide, viens !» Ainsi, on prend l'individu et on l'empêche d'être spectateur en le sortant du groupe. Passons à la légende urbaine numéro 2, il s'agit de l'impact du cinéma d'action sur notre façon de penser et d'appréhender l'agression. Tout le monde a déjà vu des scènes d'action, de la bagarre, du sang, de la chic et du molar dans les films. Mais ce sont des situations qui sont très loin, mais véritablement très loin de ce qui se passe réellement dans la rue. Les situations réelles sont brèves, inesthétiques, brouillonnes et souvent dans des distances très courtes. Alors qu'au cinéma, les combats sont des duels chorégraphiés à visée esthétique. Les actions sont même ralenties pour que le spectateur puisse suivre les différentes étapes de ce combat. Et ces affrontements sont d'ailleurs rallongés. Les protagonistes subissent des dégâts, des chutes ou des frappes à répétition, et pourtant ils continuent à se relever, ils continuent à combattre justement pour cette visée esthétique. Ainsi, les agressions ne sont pas constituées de coups de pied retournés et d'actions d'éclat destinées à nous en mettre plein les yeux, si c'est le cas de le dire. On retrouve deux techniques principales dans les agressions de rue. C'est le fait de venir saisir ou agripper la personne en face de nous et la frappe ample au visage. À noter donc que c'est ce fameux coup de poing dans la gueule, mais qu'il ne s'agit pas d'une frappe technique. Il ne s'agit pas d'un direct vraiment intéressant, mais vraiment plus d'une frappe un peu télescopée comme ça.
Ces gestes restent simples. C'est intéressant, on en revient au principe de Kiss, Keep It Simple Stupid, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Ce sont des mouvements brutaux, instinctifs, répétitifs, souvent deux ou trois fois le même mouvement enchaîné, et toujours à base de ce qu'on appelle Gross Motor Skills, ou l'habileté motrice grossière. On en revient à cette notion qu'on a travaillée dans la vidéo précédente de perte de motricité fine. Il ne nous reste que la motricité lourde. La zone de frappe privilégiée reste la zone cervico-crânienne, la tête. Le fait de viser la zone cervico-crânienne va permettre de provoquer l'inconscience, ou en tout cas l'étourdissement, c'est le fameux KO du boxeur, où on va venir taper au niveau de la mâchoire pour venir désactiver finalement le cerveau. C'est également une des frappes qui vont permettre un repli de la personne sur soi, avec une levée des bras pour venir protéger justement toute la face, et venir protéger également tous les organes vitaux. Ce qui est intéressant, c'est que des gens vont réagir différemment. Il y a des gens qui vont effectivement venir se protéger et finalement adopter une garde un petit peu instinctive, et des gens qui vont faire l'inverse et qui vont avoir un réflexe d'avancer sur la personne et de venir saisir. Et là, on passe sur un principe qu'on appelle le clinch, donc c'est un corps à corps avec saisie qu'on retrouve par exemple en boxe thaïlandaise. Les coups de pied, eux, sont rares, souvent inefficaces, et entraînent même la perte d'équilibre de celui qui les donne. À noter que je parle ici d'une situation généraliste. Je ne parle pas d'individus qui sont formés et entraînés au combat. L'usage des jambes devient plus présent à partir du moment où la victime tombe au sol. Là, les jambes sont utilisées et malheureusement infligent des dégâts qui sont très lourds. Attaquons-nous à la troisième légende urbaine, l'illusion de supériorité, ou le fait de penser qu'on sera toujours plus performant et plus efficace qu'autrui dans une situation de tension. Ce sont des phrases qu'on a tous déjà entendues finalement, quand on regarde un film d'action ou qu'on lit un fait divers. Mais pourquoi il a pas fait ça? Moi j'aurais fait comme ci ou comme ça, mais c'est logique, il fallait faire comme ça. On les a tous entendues. Sauf que j'en reviens à une notion que j'ai déjà abordée dans la vidéo 1, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas des experts en sécurité personnelle, ne sont pas des combattants hors pair et ne sont pas des forces spéciales. Et justement, le fait de ne pas être, pour la plupart d'entre nous, formé sur ce genre de situation, ça provoque cette illusion de supériorité qui, d'un côté, va faire en sorte qu'on imagine être plus efficace que ce qu'on est réellement dans une situation de tension, et de l'autre côté, qui nous empêche de reconnaître l'efficacité réelle d'un individu qui est formé à cette situation. Donc on n'arrive pas à vraiment voir et reconnaître qu'un tel ou un tel est formé et efficace sur une intervention. Dans cette vidéo, on a quand même brassé quelques notions qui sont finalement assez complexes quand on les met bout à bout. Donc, je te propose qu'on fasse un petit rappel de ce qui a été dit. On a parlé de trois grandes légendes urbaines. On a parlé du biais de bienveillance. On a parlé de l'impact du cinéma d'action sur notre façon de penser, d'imaginer l'agression tout simplement. Et on a parlé de l'illusion de supériorité. Pour conclure cette vidéo, je ne peux que t'inviter à rester modeste. Pourquoi ? Déjà parce que l'agresseur souvent sera quelqu'un d'opportuniste, il va attendre le bon moment pour frapper. Ça veut dire une chose très importante, c'est qu'il a la surprise de son côté. Ça veut également dire que même si tu es formé, tu peux être pris de court, et donc tu peux être le meilleur force spéciale du monde, tu peux être le mec qui a fait 15 ans de Krav Maga, si tu n'as pas vu venir la situation, tu seras sûrement dans l'incapacité de réagir, ou alors tu vas réagir trop tard, bref, tu seras inefficace. De plus, chaque situation est différente. Ça veut dire que si il y a une semaine, tu as eu une situation de tension et que tu as réussi à désescalader cette situation par la parole ou par des actes ou autre, ça ne veut pas dire que si tu reprends cette situation et que tu refais exactement la même chose dans 3 ou 4 semaines quand tu auras un autre incident, cette fois-ci, ça sera peut-être l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de réussir à désenclencher cette situation, tu vas venir l'envenimer et ça va être pire pour toi. Chaque situation est différente. Un autre point très intéressant, c'est que toi, comme moi, on aura toujours tendance à projeter nos propres limites, nos propres barrières sur autrui. C'est-à-dire partir du principe que celui qui est en face de nous, fonctionne comme nous. Ainsi, si nous sommes bloqués par des conditionnements sociaux, des principes de moralité, des valeurs, des lois et des réglementations, ce n'est pas forcément le cas de la personne qui nous fait face. L'histoire nous montre que des actes de cruauté extrême ont déjà eu lieu par le passé et ont lieu encore de nos jours.
Restons prudents et partons du principe que l'alter ego, l'autre nous-mêmes, n'est justement pas vraiment nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément les mêmes barrières, voire il n'a aucune barrière du tout, contrairement à nous. On en revient à une phrase qui est très intéressante, c'est se préparer au pire et espérer le meilleur. C'est-à-dire de toujours rester positif, mais de partir du principe que, eh bien, la situation la plus désastreuse aura lieu. C'est la loi de Murphy, hein, la fameuse loi de l'emmerdement maximum. Eh bien, on va l'appliquer toujours avec cette notion d'agression. Cette absence ou ces changements de barrières et de limites sociales, on en parlera quand on évoquera la psychopathie et finalement les violences asocio-prédatrices. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. À présent, je t'invite à continuer l'aventure dans les commentaires. Est-ce que cette vidéo fait écho à quelque chose que tu as vécu ? Est-ce que tu as subi des situations de tension ou des violences ? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou est-ce que tu ne l'es pas? Le débat est ouvert. Pense également à partager cette vidéo. Elle pourrait aider des gens qui s'interrogent justement sur l'agression, qui veulent mieux la comprendre ou qui ont subi justement des violences. Tu peux également activer la cloche des notifications, laisser un petit like pour pouvoir suivre l'avancée de ce projet. Et souviens-toi, quelques minutes de notre temps peut en sauver des milliers. Hey, Aventura, where are you from? Thank you.